Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme sport, homme gagné, j'ai warul tir, warul ragal, mind bégé, DNB, comme nous l'avons vive le Sénégal. Donc récemment champion d'Afrique, le Sénégal prépare donc sa double confrontation face à l'Égypte pour une qualification éventuelle au mondial Qatari, ce qui va représenter la troisième qualification de l'histoire du football sénégalais après donc 2002 et 2018. Donc on va parler de ce match, les contours du match, ce qu'on appelle les contours du match. Donc rappelons que ce jeudi à 18h30 GMT, on aura un direct pour parler donc, de l'avant-match. L'équipe type, quelle tactique Alizé doit adopter, ça sera ce jeudi à 18h sur la chaîne YouTube de Grégoire Omnisport. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma page Facebook ou bien aussi page TikTok, mais animez-vous tout dit. Mais vous pouvez aller vous abonner de même que le compte Instagram. Donc Ismaël Sarr, bonne nouvelle, très actif en coulisses pour renforcer son effectif. AC Milan, donc, qui se dirige vers un sacre dans le championnat italien, veut se renforcer. Aurier, donc de Faure Niou, mais aussi Ismaël Assar, l'ailier droit sénégalais, est ciblé par les Rossoneri, le club de Jim Momar. Donc, vraiment, sous le sport, manque de bébé. Donc, le club de Jim Momar, Kaoman Thiam, l'AC Milan de Omar Nohou aussi, donc, veut renforcer ses troupes sur son attaque avec Ismaël Assar. Parce que Anterebich Moufa, Messias Moufa, Ibrahimovic, il va vers une retraite. Donc, il faut que nous renforcer en vue d'une participation en Ligue des Champions. Parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, mais donc, c'est un parcours qui n'était pas glorieux. Donc, nous avons utilisé la piste du joueur sénégalais. Il y a 5 buts et une passe de cette saison en 16 matchs. Parce que blessure, nous sommes Ismaël Sarr, mais il reste une valeur aussi. Donc, nous avons évalué donc, à 40 voire 45 millions d'euros. Donc, nous avons donné 30 millions d'euros. C'est sûr qu'ils vont demander le double. C'est clair, ils vont demander le double pour surenchérir en fait, pour avoir 50 sacs. Mais Ismaël Sarr dit non, parce que c'est un joueur jeune avec plein d'avenir. Donc l'ancien joueur de Gérard Jeffoul est bien ciblé par le Milan AC. Donc match Binaner, match Sénégal. Actuellement, déclaration, il commence à boulager les barrages du mondial. Donc les Égyptiens auront un esprit revanchard. Les Égyptiens ont un revanchard, mais nous sommes prêts. Donc le boulager. Mais nous parlerons pour en découdre. Parce que nous savons que ça ne sera pas facile. Parce que l'Égypte aura plus de 64 000 spectateurs attendus au stade international du Caire, le stade de la terreur, comme l'a bien dit Aliou Cissé. Et là, du venir, les matchs barrages sont des matchs de très haut niveau. Tunisie, Mali, RDC, Maroc, Cameroun, donc Algérie, on aura aussi donc Nigeria, Ghana, qui est un classique du football africain. Ahmed Hassan Néna, le Sénégal n'a ni Mbappé, ni Messi. Donc le Sénégal, donc dafa bëggone né Sénégal teugunu war nañ ko mëna duma. Donc loolu la Ahmed Hassan wax. Donc le triple champion d'Afrique consécutif 2006-2010, capitaine d'Égypte Ahmed Hassan, moi je ne vois pas le Sénégal comme étant un adversaire impossible à battre. C'est normal, c'est un Égyptien, il va croire en ses forces. Il ne possède ni Messi ni Mbappé. Et l'Égypte est capable de compenser les différences techniques et physiques par la compatibilité et l'état de détermination des joueurs. Donc moi xam na né l'Égypte est inférieure au Sénégal du point de vue objectif, du point de vue état de forme, du point de vue individualité, je sais pas. Maintenant, je peux compenser, je peux faire si, donc, différence technique et physique par la combativité, avec l'état de détermination. Je suis engagé aussi, je suis a-t-il lâché sur On Time Sport. Sayoman et ses partenaires savent comment répondre. Donc, je pense que les joueurs sont assez avertis pour savoir comment donc, réagir. Voilà. Ça, c'est très clair. Donc, Fédération Sénégalaise aussi, gagne un ticket, petit ticket, et ils vont dérouler leur plan. Donc pour l'organisation, donc Fédération parrainée, parce que ça sera le premier événement à organiser au stade Ablaye Wade de Diamniadio. Farawa Dindiak, Darawa Dindiak, Nikou Thioro Sarr, Mané Thioro Sarr. Voilà, Alkadi Massamba, Borom Diamniadio, Yassa Ganjo. Donc l'homme du 19 mars 2000, Kokoum Ablaye Wade, mon intouté, stade B. Donc l'autre digression là, pour mon donc Tagale, Nyom Cheikh Wade, les Wadena qui suivent Grégoire. Donc ce stade est nouveau pour nous, malgré l'expérience que nous avons. Donc il faut que nous devons le tout. D'autres tenues, pour le match test, GFC a conçu avec le Forum mondial de l'eau, donc nous annuler le mais ils vont tout faire pour relever le défi de l'organisation pour que Ken Banya mère, mon Banya en faille de l'organisation. Ça c'est très clair. Donc Djibril Wade, Ligue Sénégal de football professionnel, Mohamed Djibril Wade, Nena, c'est le président. Nous allons tout faire pour rembourser cet argent-là. Les primes, ils faillent. Donc ils vont tout faire pour payer les primes impayées. Parce que primes aussi Akhla. Donc, vraiment failli. Donc voici la somme réservée pour les équipes qualifiées. Qualification Coupe du Monde d'Afam Solo. Parce que ça permet des rentrées d'argent qui vont permettre
de développer le foot. Malheureusement, au Sénégal, à chaque fois, il y a que tu prime des dégâts qui jouent dans le corps, qui n'y ont aucun bas. Mais du point de vue infrastructure, on a besoin d'un développement des infrastructures. Même si l'organisation en elle, ce n'est pas à la fédération, qui est une association privée, de construire des stades, mais ils doivent impulser cela. Parler au ministère, le ministère, donc impulser cela, voir quoi, président Macky Sall. Parce qu'on a besoin d'infrastructures pour développer notre football. En cas de qualification, toutes les fédérations qui seront au Qatar empocheront la jolie somme, le pactole de 7 milliards de francs CFA. 7 milliards de francs CFA. Ça, c'est colossal. Voilà, ça c'est très clair. D'abord, chaque équipe qualifiée va bénéficier d'une avance de près de 2 milliards pour sa participation. Bon, participer à venir Djokhla. Non, vraiment, faut bien faire ça. Il faut qu'on se qualifie. Il faut qu'on se qualifie. Un titre continental qui a rapporté à une fédération sénégalaise de près de 3 milliards. Bon, empocher avance 2 milliards après qualification pour la Coupe du Monde, ouais, il y a les rentrées d'argent qui vont permettre de donner un nouveau souffle. Vraiment, de développer progressivement le football sénégalais. Donc, lors d'un coup, on a Google, Hatsun Tang Dubaï, pour m'en améliorer. Donc, actuellement, l'entraînement a commencé. Hein? Comme vous avez imaginé, les entraînements ont commencé à Marrakech. Donc, gars, ils ont entraîné. Donc, le groupe est quasiment au complet. Pape Abou Cissé, donc, Mohon blessé, mais on espère que ça ne va pas lui porter préjudice. Sinon, le groupe est au complet. On va tout faire pour faire la différence. Parce que Marseille Kerbi, c'est un match déterminant. Même si on a un match de tour, mais on ne doit pas perdre. Parce qu'on ne doit pas s'endormir. Égypte, finalement, on n'a pas gagné face à l'Égypte. Dans le match, dans les 90 minutes, on n'a pas gagné. Donc ça sera un match difficile. Il faut essayer de résoudre l'équation égyptienne et de les battre dans le match. Si on bat l'Égypte au Caire, on aura la tâche beaucoup plus facile à domicile. D'autant plus que la FIFA n'a pas supprimé la règle du but à l'extérieur. Nous pouvons nous mettre, mais FIFA, d'après Samuel Mbuya, le présentateur de Canal+, FIFA donc supprime la règle du but à l'extérieur. UEFA a supprimé. Mon Ligue des Champions, mais tout. Mais FIFA a supprimé. Donc, Afrique, règle du but à l'extérieur, il reste. Par exemple, Sénégal, vous aurez 2 buts en Égypte. Nous, Égypte, donc 1 but à 0. Sénégal, moi, qualifié. Même si 2-2, le score cumulé. Mais Sénégal, il faut avoir 2 buts à l'extérieur. Donc, Motaf, il faudra qu'on marque à l'extérieur. Il faut que Sadio Mané se montre aussi. Il l'a déjà fait, mais là aussi, on a un grand Sadio Mané. Comme l'a bien dit Diomassi, il faut oublier le 6 février. Et s'attaquer au mondial. Parce qu'on doit se qualifier au mondial. Première nation africaine, champion d'Afrique, on doit enchaîner vers le mondial. Et aller défier les grandes nations. Au Qatar, dans le monde, il y a un titre, il y a un titre, quand c'est important, c'est sur Grégoire. On est sur le monde, on est sur le monde, on est sur le monde, on est sur aussi les supporters de FC Barcelone, on est Camara, vraiment, ils sont une équipe. Vraiment, on est Abdallah Lee, Alpha Touré, Modje, on est Hassan Sen, les supporters de FC Barcelone, félicitations à vous. Pabira, et nos encouragements aux Madrilènes, donc qui viennent de perdre le Classico. Parce que le Classico, c'est un grand événement. Donc les Merunkan, Abba Gueye, vraiment Ablaye Choy, les joueurs Abdouno, Luka Modis, donc Yoran Diaye, Momo Sek, donc lundi, Massaouba, c'est une défaite. Bi. Et Deferwar Lene, parce que le grand Barça est de retour. Nadia vidéo ça, pour parler du grand retour de FC Barcelone, de Biran Gueye. Donc Colonel Gueye, Mali Beyoba, Biran, Mali Beyoba, un grand fada du FC Barcelone, Mago Amad Gueye, Mali Beyoba, Dom Gane Diaye, Warul Tid, Warul Ragal. Et Rosa, 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 yeah. Vive les Léon du Respect pour toi. Continue à faire ton job comme tu le fais. Ouais. Moi, j'ai pas de problème. Okay. Continue à être pertinent. Ouais. Mais surtout, bonne chance à toi. Ok, merci, coach.